proposée dans le cadre de cette émission Scanner. Scanner, c'est cette émission qui vous permet de dialoguer avec des professionnels de la médecine, des professionnels de la santé. Scanner, c'est également cette émission qui rompt le silence entre le public et les professionnels de la santé, parce que toutes vos inquiétudes, toutes vos questions, vous les posez et nous sommes chargés de les transmettre à un professionnel. Vous avez été nombreux à poser des questions concernant la maladie du jour, l'hypertension artérielle. Et justement, à mes côtés, j'ai une résidente dans la spécialité cardiovasculaire, donc une résidente en cardiologie. Mais avant de l'introduire, comme à l'accoutumée dans cette émission, nous allons d'abord voir notre vidéo de mise en condition pour vous dire exactement de quoi il s'agit. C'est ce qu'en intro et c'est tout de suite. Les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire touchant le cœur et les vaisseaux, constituent un problème de santé publique majeur. Au centre de ces maladies se trouve l'hypertension artérielle, qui constitue le premier motif de consultation en cardiologie. Selon l'estimation du ministère de la Santé publique, plus de 4 millions de Camerounais, soit quelque 25% de la population, souffrent d'hypertension artérielle. Effet alarmant, plusieurs de ces patients consultent à une phase tardive de la maladie, c'est-à-dire des complications, puisque ces tueurs silencieux, très souvent, ne se manifestent que lorsque les organes cibles sont atteints. Pourtant, si la maladie est dépistée à une phase précoce, elle est contrôlable grâce à une variété de plus en plus élargie de médicaments dans nos pharmacies. Les urgences hypertensives sont nombreuses et inquiètent de plus en plus les professionnels de la santé. Mais l'urgence immédiate, c'est l'ignorance de la population de cette maladie. Si un Camerounais sur quatre est probablement hypertendu, chacun y va de sa touche personnelle quant à la conception de cette affection. D'aucuns pensent que c'est le fait de s'énerver qui est à l'origine de la maladie. D'autres croient à une incompatibilité d'humeur entre conjoints, pendant que d'autres lui attribuent un caractère mystique et se livrent à tous les vertus thérapeutiques. Quoi qu'il en soit, cette pathologie a suscité en vous de nombreuses interrogations. Sur le chemin de la vérité, nous décidons de lever le rideau qui cache ce mystère en nous confiant à un spécialiste. Bienvenue dans Scanner. Alors, après cette brève introduction, nous allons donc par la suite vous présenter notre invité du jour. Comme je vous le disais, c'était une résidente en cardiologie, c'est le docteur Clarisse Ebene, sans plus de suspense.
Bonjour docteur, bienvenue sur le plateau de Scanner. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis le docteur Clarisse. Je suis médecin en cours de formation pour devenir cardiologue ici à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé. À propos de l'hypertension artérielle, comme nous l'avons suivi dans le reportage plus tôt, en effet, une personne sur trois au Cameroun est dans la population adulte hypertendue. Et l'hypertension est une maladie qui est courante. C'est pour cela qu'on la considère comme un problème de santé publique actuellement en Afrique. Et il faut savoir que le mode de vie qui s'occidentalise de plus en plus en Afrique expose beaucoup plus à cette hypertension artérielle du fait de l'obésité et du diabète qui sont fréquemment associés à l'hypertension artérielle. Donc c'est pour ça qu'il est important que chacun soit éclairé sur cette maladie pour que dès qu'il y a des signes d'alarme, qu'ils puissent aller consulter et même s'il n'y a pas de signes, qu'ils aient la présence d'esprit de faire contrôler régulièrement leur pression artérielle de façon à se faire prendre en charge tôt et éviter ainsi que les complications ne surviennent. D'accord, voilà. Donc après peut-être cette introduction, on comprend la gravité de la situation parce qu'un Camerounais sur quoi c'est quand même beaucoup. Mais la question qu'on se pose tout de suite, parce qu'on se dit que si un Camerounais sur trois a l'hypertension artérielle, comment savoir qu'est-ce qui est à l'origine de l'hypertension artérielle? Quelle est vraiment la cause de cette maladie-là? L'hypertension artérielle est causée par diverses, elle a plusieurs causes. Mais il faut qu'on sache qu'on peut distinguer l'hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire celle qu'on chose en général chez les sujets de plus de 40 ans. Et ces sujets-là, le plus souvent, ont des parents hypertendus. Là, on parle dans ce cas-là d'hypertension artérielle essentielle et elle est en rapport avec une prédisposition génétique. C'est-à-dire, c'est des patients qui ont des gènes qui, pour des raisons un peu plus complexes, les prédisposent à être hypertendus. Mais il arrive, il n'est pas impossible qu'on puisse retrouver dans 5% des cas une cause secondaire à l'hypertension artérielle. C'est-à-dire que c'est un autre organe qui peut être le rein, qui peut être les vaisseaux en eux-mêmes, qui peut être un excès de certaines hormones dans l'organisme, comme l'aldostérone, comme l'adrénaline, par exemple, pour faire simple, comme les glucocorticoïdes dans l'organisme, qui peuvent entraîner une hypertension artérielle secondaire chez certains sujets un peu plus jeunes. Donc, l'hypertension artérielle à la base, elle peut avoir une cause. Dans la majorité des cas, elle est essentielle, c'est parce qu'on a des parents hypertendus, qu'on est prédisposé à être hypertendu, ce qui ne veut pas dire qu'on le sera nécessairement. Donc, il est possible, si on a des prédispositions et qu'en plus on prend du poids, on s'alimente comme il ne faut pas, il est présent pour ce genre de patient de développe une hypertension artérielle à la base. Alors, on comprend bien que donc, c'est la prédisposition génétique est importante. Et l'âge également, parce que vous avez parlé de l'hypertension essentielle, c'est ça? Oui, voilà. Après 40 ans, c'est là où elle se manifeste le plus souvent. Mais on peut retrouver, comme je l'ai dit, dans 5% des cas, des patients jeunes qui présentent une hypertension artérielle. D'accord. Alors, hypertension artérielle, dans le langage, on va dire comme ça, du quartier, on a tendance à l'associer à l'énervement et la question que se sont posées beaucoup de téléspectateurs, c'était celle de savoir est-ce que le fait de s'énerver peut donner l'hypertension artérielle, parce que d'autres partent carrément plus loin pour dire que l'incompatibilité, par exemple, d'humeur dans les couples peuvent être à l'origine de cette maladie-là. Alors, est-ce que le fait de s'énerver peut être à l'origine de l'hypertension artérielle? Le stress, parce que l'énervement, en fait, c'est une situation de stress, amène à la production de certaines hormones dans l'organisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adrénaline, qui, à la longue, de manière répétée, peuvent, si on est prédisposé au départ, aboutir à ce qu'on soit hyper tendu. Mais on ne peut pas affirmer d'emblée que le stress, l'énervement, donne l'hypertension artérielle. Il y a d'autres facteurs qui doivent intervenir et qui, associés à ce facteur de stress, la répétitif, peuvent amener à ce que le patient soit hyper tendu. D'accord. Donc la réponse, en fait, si on doit comprendre, c'est qu'on ne doit pas systématiquement dire que le fait de s'énerver peut donner l'hypertension. Il y a d'autres facteurs qui interviennent et qui sont, une fois intriqués, peuvent aboutir à ce que le patient soit hypertendu. Mais une fois qu'on est alors hypertendu, est-ce que l'énervement peut cette fois-ci intervenir
quelque part dans la gravité de la maladie. C'est un facteur de stress. Et le stress fait élever la pression artérielle. Même si c'est une élévation qui n'est pas permanente, il y a quand même une petite proportion d'élévation de pression artérielle dans le stress. Peut-être, docteur, pour une meilleure compréhension pour nos téléspectateurs, élévation de la pression artérielle. De manière simple, c'est quoi l'élévation de la pression artérielle? C'est un sujet qui a une pression artérielle normale. Une pression artérielle normale, c'est une pression artérielle à moins de 140 sur 90 mm de mercure. Donc, lorsqu'on est stressé, l'organisme se traite une hormone qu'on appelle l'adrénaline, qui fait en sorte que les vaisseaux se contractent et ça élève la pression artérielle. Bon, je ne peux pas vous donner exactement la marge d'élévation, ça dépend des sujets, il y a des variations inter-individus. Donc, pour une meilleure compréhension, élévation de la pression artérielle, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut bien comprendre que sur le plan anatomique, l'appareil cardiovasculaire, c'est le cœur qui est une pompe, et les vaisseaux qui sont des conduits qui permettent de mener le sang du cœur aux organes. Alors, le cœur, il pompe et il fait en sorte qu'il exerce certaines pressions sur le sang qu'il éjecte. Et cette pression-là se transmet de proche en proche dans les vaisseaux. Et on peut la mesurer en périphérie, notamment au niveau du bras, avec un tensiomètre. Ou alors au niveau du poignet également, avec un tensiomètre et des appareils adaptés pour. Et cette valeur de pression artérielle-là, il y a des valeurs normales qui sont définies. Notamment la limite supérieure de ces valeurs normales, c'est entre 140 pour la pression artérielle systolique, c'est-à-dire lorsque le cœur éjecte, et 90 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique, c'est-à-dire pendant la phase de relaxation du cœur. Donc ça, c'est la pression artérielle résiduelle. Donc ce qu'on entend par élévation de la pression artérielle, c'est cette élévation-là au-delà de ces valeurs. Mais par rapport à ce qui concerne le stress peut élever la pression artérielle, mais ce n'est pas une élévation qui est permanente. C'est une élévation qui est ponctuelle et qui, en principe, se normalise avec la levée du facteur de stress et la levée du facteur d'énervement. Donc, l'énervement ne nous donne pas nécessairement une hypertension artérielle en termes de maladie, comme on l'a défini. D'accord. C'est vrai, peut-être que vous avez donné un élément de réponse à ma prochaine question, parce qu'elle est peut-être similaire à la précédente, c'est de savoir exactement est-ce que, parce qu'on entend bien au quartier, on dit hypertension, j'ai le mal des nerfs, est-ce la même chose, sinon c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on entend par mal des nerfs, hypertension? Le mal des nerfs, comme on l'appelle communément au quartier, je crois que c'est ce qu'on assimile à des maux de tête et céphalées couramment. Or, il y a plusieurs causes de céphalées qui sont possibles. Lorsqu'on les ressent, ça peut être d'origine neurologique, ça peut être d'origine vasculaire. Là, ce sont les principales causes. Donc, lorsqu'on dit le mal de nerfs, ça ne réfère pas typiquement à l'hypertension artérielle. Donc, le mal de nerfs, les céphalées peuvent être une des manifestations de l'hypertension artérielle, mais on ne peut pas dire d'emblée que dès qu'on a le mal de nerfs, on est hypertendu. Mais c'est des patients qui, lorsqu'ils ont des maux de tête à répétition, des mal de nerfs, ils doivent aller consulter, ils doivent se rapprocher des services médicaux, voir un médecin compétent et pouvoir clarifier la situation pour savoir si c'est l'hypertension artérielle qui est à l'origine de leur céphalée, de leur maux de tête. Et souvent, dans ce cadre également, docteur, on parle souvent de céphalée, de tension. Est-ce vraiment la même chose? Est-ce que c'est ça que on qualifie au quartier de mal de nerfs, peut-être? Je n'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on appelle au quartier mal de nerfs. Mais je me dis, si quelqu'un dit qu'il a mal de nerfs, c'est qu'il a des céphalées, il a mal à la tête. Mais il y a plusieurs causes possibles. On ne va pas rentrer dans le type de cause, sinon nous serions là jusqu'à là. Tout à l'heure, vous avez évoqué une pathologie qui est retrouvée de manière importante dans notre pays, le diabète. Et généralement, la croyance populaire voudrait comprendre, hein, parce qu'on se dit que l'hypertension, adhérer souvent, c'est synonyme d'avoir également le diabète.
Alors, éclairez-nous là-dessus. Est-ce que avoir l'hypertension artérielle, c'est mathématiquement avoir un diabète? Déjà, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est que le diabète. Le diabète, c'est une élévation permanente du taux de glycémie, donc du taux de sucre dans le sang circulant. Et ceci est beaucoup souvent dû à une carence en insuline dans l'organisme. L'insuline étant l'hormone qui permet au cellule d'utiliser le glucose que nous ingérons par notre alimentation. Le diabète et l'hypertension artérielle, l'une n'entraîne pas l'autre, que ce soit dans un cas ou dans l'autre. Mais il est courant de rencontrer les deux affections associées. Pourquoi? Parce qu'elles partagent des facteurs de risque. Vous savez, pour être hypertendu, peut-être je ne l'ai pas dit plus haut, c'est une omission. Non seulement il y a la prédisposition génétique, mais il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs de risque, les éléments qui prédisposent, qui favorisent le développement de l'hypertension artérielle. Il en est de même pour le diabète. On peut avoir la prédisposition, porter le gène, mais ne faire la maladie ou ne pas la faire. Donc, ce qui modifie cette survenue, la survenue de la maladie dans ce cas-là, c'est la présence de facteurs de risque. Et les facteurs de risque, notamment, c'est l'obésité. L'obésité prédispose non seulement au diabète, mais aussi à l'hypertension artérielle. La consommation excessive d'aliments gras ou alors de l'absence de ne pas faire d'exercice physique, tout cela contribue non aussi bien à l'hypertension qu'au diabète. Et en termes de conséquences, de complications, il faut savoir que l'hypertension peut aggraver le diabète et surtout l'inverse. C'est-à-dire qu'un patient diabétique qui est également hypertendu a plus de risque de faire de complications. Donc l'association entre les deux, il existe un lien, c'est vrai, mais ce n'est pas sur le plan de la causalité, c'est plutôt sur le plan des facteurs de risque de part, et ensuite donc, sur le plan des complications à la suite, par ensuite. Donc l'hypertension n'entraîne pas le diabète, et le diabète n'entraîne pas l'hypertension, mais sont souvent associés. D'accord. Vous l'aurez sûrement compris, hein, chers téléspectateurs, que avoir l'hypertension artérielle ne veut pas dire systématiquement avoir le diabète. Et donc, cet entretien est intéressant. Merci pour ces éclaircissements. Avec votre permission, on va prendre une courte pause, le temps pour nous de donner les dernières actualités sur la santé. Ça sera fait avec Adi Mamadou. Adi, si tu nous entends, bonjour. Quelles sont les dernières informations concernant la santé? Bonjour à vous en studio. Bonjour chers téléspectateurs. Comme Actu Santé aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle maladie qui a été découverte en Asie, principalement en Thaïlande et en Taïwan. 203 cas de maladie ont été déjà recensés et tout laisse à croire que cette maladie ressemble au VIH-Sida. Néanmoins, le mode de contamination de cette maladie diffère du VIH-Sida. Donc, nous avons espoir que cette maladie va s'arrêter et ne se propagera pas autant que le VIH-Sida. Parlant justement du VIH-Sida, il y a donc espoir, car l'agence de médicaments américaine a permis à autoriser la vente sur le marché du Stribil. Le Stribil, qui est une molécule, qui est un médicament constitué de 4 molécules, dont 2 étaient déjà utilisées auparavant et 2 autres sont nouvellement introduites dans le traitement de la maladie. Mentionnons également qu'aux États-Unis, des médecins chercheurs ont permis à un malade paralysé de 71 ans de retrouver l'usage de ses mains. Des mains qui lui permettent déjà de manger et de boire. Notons que ce patient a eu un accident de circulation qui l'a rendu paralysé. Et grâce à une technique qui permet de rebrancher les nerfs, ce patient de 71 ans a retrouvé donc l'usage de ses mains. Pour finir, les études médicales ont permis de montrer que le surplus de graisse abdominale pour des personnes de poids normal les expose à des maladies cardiovasculaires. C'était Scan Info. Je vous retrouve la semaine prochaine. À vous le studio. Merci, hein, Adi, pour ces informations, ces dernières infos
Concernant ma santé, nous rappelons que Adi Mamadou, nous allons la retrouver tout à l'heure dans le cadre de notre rubrique Scan Exo, parce que scanner, c'est aussi des moments de blagues, c'est des moments d'insolites, hein, parce que des gens vivent des maladies au quartier qui font peut-être rire ou qui font pleurer. Mais quoi qu'il en soit, Adi nous en dira plus. Mais sinon, concernant la dernière question, des personnes de poids normal avec un excès de poids au niveau abdominal, c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire, comme elle l'a dit. Effectivement, c'est un facteur de risque. Parce que l'obésité en elle-même en général est un facteur de risque. Mais il a été prouvé par des études que le surpoids ou l'obésité au niveau de l'abdomen en lui-même constitue un facteur de risque. Parce que cette graisse-là produit des hormones qui induisent une insulino-résistance, c'est-à-dire qui prédispose au diabète. Même si le sujet n'est pas obèse en lui-même, lorsqu'on mesure le tour de taille un peu au-dessus de l'ombilic, et que l'on va au-dessus de 80 chez la femme, au-dessus de 94 chez l'homme, ça constitue un facteur de risque et ça expose au risque de maladies cardiovasculaires, donc notamment l'hypertension artérielle et le diabète. Donc ça a été démontré effectivement que c'est un facteur de risque. Alors, on est toujours dans peut-être, je ne sais pas si on doit appeler ça facteur de risque, parce qu'on a tendance à dire au quartier souvent qu'on a été amené à l'hôpital, on nous a donné des perfusions et ça nous a donné l'hypertension artérielle. Vous n'avez pas cité cela dans les facteurs de risque. Est-ce que c'est une omission ou alors vraiment des perfusions peuvent donner l'hypertension artérielle? À ma connaissance, les perfusions ne peuvent pas donner l'hypertension artérielle. Même s'il arrive qu'un patient ait reçu des perfusions, donc des liquides en excès dans le système cardiovasculaire, son organisme, fonctionne bien, en principe, serait à même d'éliminer cet excès de liquide-là, de façon à ce que ça ne puisse pas engendrer à la longue une élévation de la pression artérielle sur ce sujet. Donc, une personne qui a un organisme des reins qui fonctionne bien, en principe, devrait être capable d'éliminer l'excès de liquide. D'accord. Alors, donc, et chez certaines personnes, on dit qu'avoir une hypertension artérielle peut, par exemple, entraîner une baisse de la libido. Est-ce que c'est prouvé ou bien c'est juste croyance populaire? Ça n'a pas été démontré. Ça n'a pas été démontré, l'élévation de l'hypertension artérielle n'entraîne pas une baisse de la libido. Par contre, j'espère que je ne ferai pas peur aux patients hypertendus qu'on voudrait mettre sous traitement. Certains médicaments pour traiter l'hypertension artérielle peuvent entraîner pas une baisse de la libido, mais une baisse de la fonction érectile. Certains médicaments, pas tous. Donc, il ne faut pas que le spectateur qui nous suit ait peur de se d'aller à l'hôpital, de se faire prendre en charge parce qu'il a peur de devenir impuissant. Donc, certains médicaments, mais si ça arrive, s'il arrive qu'un médicament que le patient prend pour traiter son hypertension artérielle lui donne une dysfonction érectile, il faudrait qu'il se rapproche de son médecin de telle sorte qu'on modifie son traitement ou alors qu'on lui prescrit d'autres médicaments pour pallier à ce problème. Mais l'hypertension en elle-même, ne donne pas de baisse de la libido, de dysfonction érectile. On rappelle aux téléspectateurs que la libido, c'est le désir sexuel. Mais certains patients, docteur, dans le désarroi, disons ainsi, cesser à toutes les vertus thérapeutiques, notamment appliquer le menton sur la tempe, manger le zon, communément appelé de manière traditionnelle ici, ou manger de l'ail. Est-ce que, c'est-à-dire, ces thérapies-là, quand même des vertus? On va les étudier au cas par cas. Appliquer le menthol, je ne pense pas que ça ait un effet quelconque. Peut-être ça peut soulager le patient de sa douleur, la douleur qu'il ressent lorsqu'il est hyper tendu, il a des céphalées, des maux de tête, ça peut le soulager. Mais c'est vraiment un soulagement qui est temporaire et qui, à la longue, n'a aucun effet sur la baisse de la pression artérielle. Manger les hommes, c'est une bonne attitude puisque lorsque un patient est hypertendu, on lui recommande d'avoir une alimentation riche en fruits et en légumes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le zon, c'est la feuille, les feuilles de manioc, c'est ça? Non, c'est pas les feuilles de manioc. C'est quelle plante? Alors, la plante s'appelle zon comme ça, en tout cas. Ceux qui sont... Oui, c'est les légumes. Je crois que tous les... ceux qui sont originaires de la région du centre ou qui vivent dans la région du centre doivent savoir ce que c'est. C'est des légumes qu'on ne peut pas soit
avec des noix de palme, soit comme ça avec de l'huile. Donc les hommes, il est bon lorsqu'on, chez le bassin hypertendu, c'est recommandé, surtout lorsqu'on ne peut pas s'en servir, puisqu'on leur recommande d'avoir une alimentation peu salée. Et c'est un aliment qui n'apporte pas, qui apporte très peu de calories, donc a priori manger des hommes, ça ne va pas baisser la pression artérielle, mais à la longue, ça apporte un bénéfice sur la réduction du poids, ça apporte un bénéfice par rapport à l'alimentation qui est pauvre en sel. Donc, sur ce plan-là, il est bon de manger les hommes, c'est recommandé. Pour l'ail, les vertus qu'on attribue à l'ail n'ont jusqu'à présent pas été prouvées scientifiquement. Donc, du point de vue diététique, il n'a aucun intérêt sur le patient hyper tendu. D'accord. Alors, si vraiment des patients, au lieu de se faire traiter, se livrent plutôt à ces produits-là, ils peuvent justement avoir des complications plus tard parce que leur hypertension artérielle, leur pathologie n'a pas été prise en charge. Et pour parler justement de complications, il y a l'accident vasculaire cérébral, c'est quand même qui est une complication qui est crainte. Comment expliquer ça, ces complications-là, éclairer un peu nos téléspectateurs, mais également concernant l'accident vasculaire cérébral, qu'est-ce que c'est? Parce que d'aucuns croient même que ça a des origines peut-être diaboliques, on va le dire ainsi. C'est quoi l'accident vasculaire cérébral? Par accident vasculaire cérébral, on entend une souffrance cérébrale d'une partie du cerveau du fait d'une incapacité à être perfusée par le sang. Vous savez que nos organes, quels qu'ils soient, ont besoin de sang, de recevoir du sang pour pouvoir fonctionner normalement. Et ce sang-là leur est apporté par les artères, dont on parle tout à l'heure de la pompe, qui fait circuler le sang dans les vaisseaux. Donc ce sang-là est censé arriver à chacune des cellules de notre organisme, également celle du cerveau. Donc lorsqu'on est hypertendu, chez le patient hypertendu, l'élévation de la pression artérielle fait en sorte que les vaisseaux se fragilisent. Ils se fragilisent et à la longue, il est possible qu'un vaisseau éclate sous l'effet de la pression artérielle et qu'il y ait un saignement qui se produit dans le cerveau. Là, c'est l'accident vasculaire cérébral qu'on dit être hémorragique. Il y a un saignement qui se produit dans le cerveau et il y a une zone du cerveau qui ne reçoit plus de sang et qui souffre de cette hématome-là qui se forme, de cette collection de sang qui se forme dans le cerveau. Ça, c'est l'un des mécanismes possibles de l'accident vasculaire cérébral. Le deuxième mécanisme, c'est par ischémie. Vous savez, lorsqu'on est hypertendu, souvent, c'est les patients qui sont également obèses, qui ont un taux de cholestérol, de mauvais cholestérol très élevé. Et tout cela, à la longue, fait en sorte qu'il se forme des dépôts à l'intérieur des artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose. Ces dépôts-là, dans les artères, vont à la longue obstruer la lumière vasculaire, de telle sorte que le calibre du vaisseau, le sang doit circuler, est réduit. Et on peut aboutir à ce que le vaisseau se bouche complètement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral ischémique. Dans ce cas-là, il y a une zone du cerveau qui ne reçoit plus du sang, qui n'est plus vascularisée et qui souffre. Donc, comme c'est le cerveau qui permet que nous puissions dire à notre main d'attraper un verre, que nous puissions réfléchir, que nous puissions penser, s'il y a une partie de ce cerveau-là qui souffre, qui ne fonctionne plus comme il devrait parce qu'il ne reçoit plus assez de sang, alors la partie du corps qui commande ne pourra plus fonctionner. Et c'est les patients qui présenteront, qui peuvent présenter un déficit corporel, c'est-à-dire une partie du corps qui n'arrive plus à bouger, ou alors un trouble du langage parce que la partie du cerveau qui commande le langage ne fonctionne plus. Donc, c'est là qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral et voilà quelles sont ses manifestations. D'accord, hein, docteur. Une dernière question pour finir. Parce qu'on a parlé quand même de cette maladie-là, de long à large. Pour finir, comment prendre en charge cette maladie-là? C'est une question un peu volée également. Est-ce que si on prend en charge cette maladie, est-ce qu'on peut arrêter un jour le traitement? L'hypertension artérielle est une maladie chronique. Là, c'est la notion qu'il faut intégrer dès le départ. On ne guérit pas de l'hypertension artérielle. Il n'est pas question de guérir l'hypertension artérielle. Lorsque l'on introduit un traitement, qu'il soit non médicamenteux ou alors médicamenteux chez un patient,
c'est un traitement qui est à vie. Il n'est pas question d'arrêter parce que chaque fois que le patient interrompra son traitement, la pression artérielle s'élèvera de nouveau. Donc, c'est un traitement qui, lorsqu'on l'instaure, doit être mené jusqu'à la fin de la vie chez le patient. Donc, ce n'est pas un traitement pour une durée fixe, c'est un traitement à long terme. Et il faut noter que le traitement médicamenteux, c'est-à-dire la prise de médicaments, est une des options du traitement. Mais il y a d'autres mesures qui sont également importantes dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. C'est les mesures hygiénodiététiques, comme on les appelle. C'est les patients à qui on recommandera de faire de l'exercice physique. 40 minutes d'exercice physique, 2 à 3 fois par semaine, c'est ce qui est recommandé. De manger peu salé, c'est-à-dire de réduire leur consommation de sel. De préférer les fruits, les légumes, d'éviter les aliments gros gras, les fritures. Et de perdre du poids s'ils sont en surpoids. Donc toutes ces mesures également sont importantes sur le patient hypertendu et vont aider à la longue à normaliser sa pression artérielle. Donc une fois qu'il instaure ces mesures, il a intérêt à les mener jusqu'au bout pour bien se porter et éviter les complications. Merci docteur hein, pour cet entretien. C'est tellement intéressant qu'on a envie d'y rester pendant 24 heures. Malheureusement, l'émission arrive à son terme, mais comme il est de coutume dans cette émission scanner, on ne peut pas terminer sans une touche d'humour. Une touche d'humour, c'est justement ce que nous apporte Adi Mamadou, qui vient de nous rejoindre justement sur le plateau. Alors, bonjour Adi, merci hein, de nous rejoindre sur le plateau. Et comme on sait que chaque maladie chez nous, c'est une insolite. L'insolite du jour, je suppose qu'elle a à voir avec l'hypertension artérielle. C'est quoi l'histoire, Cathy? Alors, pour la petite histoire, c'est une histoire de sel déjà. Alors, on commence par parler d'une jeune équipe de médecins qui s'en va dans le Grand Nord pour une campagne de santé. Et déjà, la majorité des jeunes médecins ne maîtrisaient pas la langue locale qui pointait le foudé d'ailleurs. Alors, un jeune médecin va donc être en train de consulter un patient et il demandera au patient qui est hyper tendu de diminuer sa quantité de consommation en sel. Alors, le patient surpris ou alors le patient qui n'a pas l'air de bien comprendre le français ne perçoit pas le message de son médecin. Et le médecin qui consultait avec d'autres va se tourner et demander à son jeune collègue qui était près de lui comment dire sel en foufoulé. Celui-là, le jeune docteur près de lui, pensant qu'il parlait de la matière fécale, lui dira donc chauffé, lordé. Alors, il se tourne vers son patient et lui dit c'est à Oustania Mugo chauffé, lordé, qui signifie il faut que tu diminues ta consommation en matière fécale. Et le patient, tout surpris, lui dit « Pardon, docteur ?» Et là, le docteur qui lui avait donné la signification du mot, lui dit « Autant pour moi, je pensais que vous parliez de sel, matière fécale, c'est plutôt sel, S-E-L, qui est sel de cuisine, donc vous allez dire Manda. » Il dit donc à son patient « C'est à Oustania Mugo Manda. » Donc il a pu corriger son erreur. Et nous allons dire à tous les patients souffrant d'hypertension de diminuer leur consommation en sel si jamais leur médecin ne leur demandait. Merci. Voilà, hein, merci Adi hein, pour cette touche d'humour. Hein. C'est sur cette touche-là qu'on va achever notre émission en remerciant une fois de plus le docteur Clarisse Ebeni qui a fait le déplacement, qui nous a honoré de sa présence sur le plateau de Scanner. Merci une fois de plus, docteur. Et c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Voilà, l'émission Scanner s'achève aujourd'hui, mais comme également il est de coutume dans cette émission, si vous l'avez bien compris, il y a une question qui vous sera posée et nous aurons la réponse la semaine prochaine. Selon le docteur Ebeni Clarisse, quels sont les facteurs de risque de l'hypertension artérielle? Vos réponses, vous pouvez les envoyer par SMS au 99 16 20 85
ou au 74 63 35 84, ou alors tout simplement nous retrouver sur le groupe Facebook www.facebook.com/scanner. Scanner s'achève aujourd'hui. C'était un plaisir de vous avoir présenté cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement, la semaine prochaine, en parlant d'une autre maladie. Il s'agira cette fois-ci du diabète. N'hésitez pas de poser toutes vos questions. C'est ces questions qui seront transmises aux professionnels de la santé qui sera chargé de les scanner.